Après deux mois de compétition et le tiers du championnat accompli, Claude Bergeau, le directeur général de l'Élan Béarnais, Paula Cortez, dresse un premier bilan. Ben, en termes de résultats, aujourd'hui, on peut être satisfait. Parce que si on nous avait dit en début de saison qu'au bout de 10 matchs, nous serions premiers, même ex aequo, avec Limoges, on aurait été très heureux. Parce qu'en fait, on allait, à part peut-être le coach, nous allions tous dans une inconnue. On nous disait que cette Pro B était vraiment terriblement difficile. Les matchs ont été terriblement difficiles. La succession des événements nous a beaucoup impacté parce qu'on gagne après prolongation. Chez nous, on se fait prendre contre un promu. Donc, les événements ont été très compliqués. Mais il se trouve que ce sont les caractéristiques de la Pro B. Et aujourd'hui, ben, être premier, c'est quelque chose de très satisfaisant, voire flatteur. Peut-être, parce que c'est pas parce que nous sommes dans les plus gros budgets que nous devons être premiers. Tout simplement parce que c'est du sport, avant toute chose. Après 9 victoires en 11 matchs, l'Élan Béarnais apparaît déjà comme une équipe performante. Mais est-elle perfectible ? Notre plan de recrutement était d'allier un savant mélange de joueurs expérimentés avec des jeunes. Ben aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que sans ces joueurs expérimentés, que sont Teddy Gibson et Mike Bauer, qui à eux seuls ont fait gagner des matchs parce qu'ils ont été décisifs sur certaines actions, mais justement complétés par d'autres joueurs qui ont amené cette fameuse complémentarité. Ces joueurs, ce sont souvent des joueurs moins expérimentés, donc plus jeunes. Et on a eu la satisfaction de Lamine Sambé. On avait même vu apparaître Florian Lesca, dont on ne pouvait pas imaginer au mois de juin qu'il aurait déjà à montrer le nez là. Jean-Fred Morancy aurait pu, mais a été quelque peu timide sur le début de ses engagements. Et on attend bien sûr la confirmation de Fernando Raposo, parce qu'on sait Fernando Raposo de niveau international. Faut se rappeler cet été qu'il est vice-champion d'Europe avec son équipe junior français, moins de 20 français, pardon. Ça veut dire qu'on est satisfait de l'ensemble. Maintenant, il va falloir que cette équipe apprenne vite et on sait surtout qu'elle a une marge de progression qui est énorme parce que nous n'avons pas résolu de façon constante nos problèmes défensifs. On a certes marqué beaucoup de points, mais on a pris aussi beaucoup de points. Donc on sait aujourd'hui que notre marge de progression est immense et que les deux tiers de championnat restants vont nous permettre, nous l'espérons, de progresser et peut-être être plus haut que la première place ex aequo. La Pro B est bel et bien un nouvel univers pour le club. Quel regard porte-t-il sur ce championnat ? La Pro B est un championnat beaucoup plus compliqué parce que tout est différent. Les salles dans lesquelles nous allons, ce sont des toutes petites salles dans lesquelles on a deux vestiaires pour une équipe, dans lesquelles les distances que nous avons de repères habituels avec les grandes salles sont totalement différentes. L'arbitrage est totalement différent. On est toujours surpris, toujours à contester, mais ça ne changera pas de toute façon parce que les gens font leurs preuves à ce niveau-là pour accéder au plus haut, que ce soit les joueurs, les entraîneurs ou les arbitres. Donc tout est différent. Et on a des fois des douches froides, comme ça se passe au niveau fédéral. Voilà, et sans jeu de mots, au niveau des douches froides. Ce qui veut dire que nous avons vraiment à concrétiser ce que nous voulions dès le départ, beaucoup d'humilité. Donc le club a retrouvé cette humilité comme il l'avait il y a aujourd'hui 25-30 ans. Nous nous déplaçons en bus, nous faisons en deux jours 2000 ou 2200 km. Ça, ce sont les aléas du niveau inférieur que représente la Pro B. L'Élan Béarnais, c'est également une équipe de jeunes en National 3. Là encore, les résultats sont au rendez-vous. On est très très heureux d'avoir une équipe espoir qui a été rebaptisée puisqu'elles ne sont plus dans le championnat espoir. Notre équipe espoir, c'est celle de la Nationale 3 de notre section amateur puisque nous avons fusionné, tout le monde le sait aujourd'hui, cet été avec l'US Pau Nord-Est, donc l'Élan Béarnais Paula Cortez Pau Nord-Est. À cette équipe, son équipe Fagnon, à la section amateur, c'est notre équipe espoir dans laquelle il y a certes les joueurs sur lesquels nous fondons des espoirs pour le futur, mais aussi tous ces joueurs qui sont passés par le moule de la formation, qui sont les anciens cadets nationaux et qui ont fait l'année dernière l'ossature de l'équipe qui est montée dans cette Nationale 3. Donc on est premier, nous sommes en tout cas premiers, avec une seule défaite contre un second, certes, et nous souhaiterions monter avec cette équipe parce que c'est là où la vraie pépinière de l'Élan Béarnais se ferait les dents. Parce que la Nationale 2, si nous avions le mérite d'y accéder, est une vraie division difficile. Et elle est dure, et la dureté que nous avons besoin
pour le haut niveau, on pourrait le retrouver avec nos jeunes de 18 à 20 ans dans cette division. Donc on touche du bois, on travaille surtout très fort avec Thierry Trouillet, son entraîneur, à cette équipe-là pour pouvoir accéder à la division supérieure. Les filles de l'Élan effectuent elles aussi un brillant début de saison. Les filles font un excellent parcours, alors bien sûr moins bon que l'année dernière puisqu'elles ont été invaincues l'année dernière. Elles sont secondes de cette poule-là, je pense qu'elles pourront finir à cette deuxième place, mais au-delà de ça, nous ambitionnons la première place parce qu'elle est bien sûr, la première place donne la montée immédiate. Ça veut dire que si nous montions, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de préparation pour pouvoir travailler et se maintenir sur cette Nationale 1. Quand je dis nous sommes en phase de travail, ça veut dire que nous envisageons à la fois de la structuration et du management humain, en même temps qu'une structuration logistique. Parce que ce club-là, de section féminine basée à Mourenx, a besoin d'une autre structure aujourd'hui que la salle dans laquelle elle joue, les conditions de travail, bureaux, vestiaires, espaces réceptifs. Donc nous devons développer tout cela. Nous y travaillons maintenant et on aimerait bien évidemment allier la structuration logistique du club en même temps que la montée sportive. Nous l'avons dit, l'Élan Béarnais, ce n'est effectivement pas que l'équipe pro. Le dernier match de l'année 2009 face à Aix-Maurienne va permettre à l'ensemble des licenciés du club palois de se réunir. Le 18 décembre, à l'occasion de Aix, nous voulons présenter ces projets un petit peu de club agrandi, de club qui respire aujourd'hui avec sa section amateur masculine 400 licenciés, puisque la section jeune de Nord-Est représente pas moins de 350 licenciés, et nous allons les présenter au public et on va voir cette formidable école de basket qui a produit tous les jeunes qui sont passés par le moule centre de formation étaient passés par le moule Nord-Est. Et aujourd'hui, cette famille reconstituée va nous permettre de perdurer dans cette idée de formation et nous voulons absolument le présenter au public. En tant que club citoyen, l'Élan Béarnais a mis en place la saison dernière un projet social. Qu'en est-il cette année ? Nous avions entamé effectivement l'année dernière une dimension sociale, dimension d'ouverture du club vers l'extérieur par définition et on souhaite au minimum stabiliser cette ouverture puisque pas moins de 40 opérations ont été faites l'année dernière, que ce soit à l'intérieur du Palais des Sports avec la visite de son musée, la découverte de la structure professionnelle, c'est quoi du marketing, c'est quoi du sponsoring, c'est pas évident pour un jeune collégien de savoir toutes ces choses-là. En quelque sorte, visiter la face cachée de l'iceberg, parce que le match représente la face visible, mais au-delà de tout ça, il y a énormément de travail, il y a du personnel qui travaille, et nous sommes ouverts à cette découverte-là. Les joueurs sont aussi présents à l'occasion de ces visites-là, puisque les jeunes ont l'occasion de les côtoyer, de les tutoyer, de parler, d'échanger, de signer des autographes bien sûr et d'assister à l'entraînement. Et tout ceci se finit dans la bonne ambiance avec un petit goûter pour les plus jeunes et un petit apéro pour les plus anciens puisque beaucoup de clubs des aînés sont aussi venus nous visiter. Et l'équipe professionnelle sort aussi, c'est-à-dire qu'elle va dans des structures pour porter la bonne parole, souvent des bonnes paroles très très simples et très humbles. Dans le sens où on essaye de transférer les valeurs sportives aux valeurs citoyennes qu'ont besoin souvent les jeunes en perte de ces valeurs. Et nous sommes de nouveau cette année ouverts à tout ce type-là d'opérations.